the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Et comme à chaque fois, je suis obligée de vous montrer des choses. Aujourd'hui, nous sommes à Delma 40 B dans le cadre de 2M Barresto. Nous sommes en train de faire un grand événement qui est la finale de la 3e édition du concours Miss America Haïti. Donc, c'est un plaisir pour nous d'être là aujourd'hui puisque c'est une activité positive dans laquelle on donne aux jeunes et on donne aux jeunes le pouvoir d'extérioriser leur talent. Donc, comme vous pouvez le voir, beaucoup de personnes se sont déplacées pour assister à cet événement et nous aussi, nous sommes présents. Je vous dis bon visionnage. Est-ce que vous connaissez Nicolas Chefra qui est sorti
Oh.
Corasoya, mais plutôt, on parle de créole, mais plutôt en passant pour moi remercier chaque jeune femme qui prend l'initiative qui aurait été la compétition. Je ne vais pas dire participer, mais plutôt rester. Je me rappelle au commencement, j'avais 14 postulantes. 14. Vu la conjoncture du pays, malheureusement, il y a d'ailleurs qui était obligé à évader. Mais à ce moment-là, nous avons une fierté. C'est de regarder 4 jeunes femmes déterminées, qui ont une volonté, qui ont une ambition, et à ce moment-là, conjoncture du pays, insécurité, problèmes, maladies, il y a là. Et maintenant, ça, je passe 5 mois, 5 merveilleux mois avec postulant moi. Nous dansons ensemble, nous faisons TikTok ensemble, nous mangeons ensemble. Donc, il y a chaque défaut, bien sûr. Moi-même, j'aime dire ça à mes filles, ma belle tout le temps. Je dis toujours dire ça, je souhaite que je sois fâchée parce que je suis fâchée, ma belle. Mais pourtant, il y a un petit peu de dans la caillou qui toujours fait m'assurer. Il y a une autre. Non seulement je vous dis encore une elle fois est belle, que toute porte et toute porte de contenu est passée par nous chaque jour. Bien sûr, Julien a tenu un rapport et ensuite, donc, je passe. Avec nous, notre spectateur, donc, bonsoir, est-ce qu'on a dit qui est supposé qu'à mes soeur? Alors, pour moi-même, c'est le jury, moi-même, c'est le jury, moi-même, c'est le jury, Soshima. Ok, bonsoir. Merci. D'accord, merci. Bien avec nous, le thème de film Miss America 2021. Bonsoir, est-ce que vous présentez? Bonsoir. Maintenant, parmi les gens qui viennent, le thème de film de Miss America 2021. Est-ce que vous comment avant de Miss America ça a été? Miss America, pour moi, c'était un grand point pour vous. Et ma première c'est Miss Chantilly, qui était bon support, bonne mission, tout est bon homme. Et c'est sur ça, il était une belle édition et on est une famille. Il était aidé, gérer ses soins, tout ça, parce que c'est une belle édition. Et moi, je vous remercie tout le monde. Je suis content. Par rapport à Joël, mesdames, à toi et nous, l'autre jour, qui est-ce que vous pensez qu'il a mis? Comment? Par rapport à Joël, mesdames, et je vous dis à l'autre jour, qui est-ce que vous pensez qu'il a mis? Pour finir, si vous conseillez ou les bails jeunes qui sont sur vous, tout ça va bien. Conseillez les bails jeunes qui sont sur vous, pas d'encourager la vie, même si vous êtes vraiment bien, persévérer et continuer l'hiver à vous. Merci d'être accepté d'interviewer et félicitations pour tes conseils. Merci beaucoup. Je viens avec nous, première dauphine, Miss America 2021. Bonsoir, est-ce que tu as présenté? Bonsoir, nous partons à l'Amérique. J'ai bien 30 ans, j'ai fait la première dauphine de Miss America 2021.
dire comment avant tout ça t'es pour est-ce que pas de pas rencontrer pas de difficulté. Qui est-ce que vous pensez qui a mis ça sur elle? Bon, je ne vais pas dire qui est-ce qui a mis. Parce que mesdames sont belles, sont intelligentes, elles font un bel parcours. Donc, toutes mesdames sont belles, je pense que le jury a fait travail et les gens qui mis l'a mérité. Merci de cette interview. Pour finir, ce bon conseil que vous avez jeune qui vous qui s'est tapé. Apprendre plus? Oui. Ok. Si nous avons un travail, nous avons suivi la compétition. Donc, nous sommes une belle équipe, nous faisons un bel travail, nous montrons l'image jeune positivement. Donc, si nous avons un travail, toujours suivre avec nous, parce que nous avons un bel travail, c'est vraiment apprécié. Merci. Merci. Plaisir pour garder vos suivants. Et nous voyons que c'est Richard Zim qui t'a parlé de ça. Vous êtes tous et toutes des gagnants. Mais de toute façon, il faut que Julia ait décidé qui est-ce qui a pris ça les armes. Mais c'est ça que nous avons fait là. Là, nous avons discuté d'un petit échange entre nous. Nous décidons qui est-ce qui a première dauphine, deuxième dauphine et pour la miss. On va commencer par la deuxième dauphine. Bien filmé. Et vous avez aussi applaudi deuxième dauphine. Marie Nota Canet. Comment vous public regarder Carly? Comment est-ce que ça va? Moun qui malheureusement pas ne pouvoir postuler que la Bourgogne sera c'est. Moralis Junior. Malheureusement, il n'y a pas de sourire. Malheureusement. Merci à Moralis Junior. Maman, de vous deux postulants à avancer pour nous sur ces noms. J'ai vu Valessa et Soshima Pierre. Suspense en pile. Madame, vous êtes sacrée. La première dauphine ce soir à Miss America 2022. Soshima Pierre. Et la main de vous première.
quitté pour notre postulante année 2023. C'est quoi l'entête, quoi nous capable. Foncez, pas jamais douter, nous capables. Merci d'être venu. On se retrouve l'année prochaine pour la 4e édition avec Haïti 2023. Bonne nuit tout le monde. Jeudi 25 décembre, enjoy par Wet Rock. Par Wet Rock. Il y a avec nous un juge qui c'est Billy Haïti, donc bonsoir, et ce qu'a dit, comment est-ce que concours a été pour aujourd'hui? Bonsoir, ça va, moi-même, moi en forme, c'était une belle expérience pour moi encore, parce que tout est pour moi. Donc moi toujours dis que moi pas mieux placé pour me juger, mais comme étant donné que moi c'est un coach, je travaille dans le secteur, ou bien un petit yeux pour qui ça qui est bon et qui ça qui n'est pas bon. Je ne vais pas dire qui n'est pas bon, mais qui a demandé une petite amélioration. Mais c'est une belle expérience avec Miss America et je me sens que la tête dessus parce que toutes mesdames ont un potentiel. Et pour on est en Miss, c'est pas un bagage qui est passé. Bon, moi, un peu satisfait parce qu'on est en Haïti. Donc, pour nous faire choix, Miss Asuea, c'est de ce qui s'en est basé. Le comité a un critère, c'est élégance, éloquence avec charisme et tough d'une Miss. Mais nous avons estimé dans toutes les dames qui ont participé que je me rappelle que Vanessa était une dans le monde qui était répondre à quelques critères. Ok, c'est ça. Donc, Billy, c'est un peu de jeunes qui t'a remis rentrer dans la base, comme si concours ou bien qui t'a remis pour manquer tout, même parents ou pas, ou du moins si peut lancer. Qui conseille ta bien plus jeune? Conseil que je dis, pour lancer le bail, c'est vivre rêve. Parce que la vie en coûte, parents ont fait vivre parle sans que ou pas blesser parents, mais faire ça ou rien. Parce que l'on fait soirée meilleur, ou fait le plus bien, ou fait avec l'amour, ou fait avec passion. Pas coûter rien parce que la vie en coûte, c'est profiter de la vie, faire soirée meilleur. Merci. Donc merci de souhaiter à cette interview et félicitations tout pour ce rapport de presse. Merci. Au plaisir. Donc nous sommes avec nous, Yudna Mabjou. Bonsoir, ce qu'a présenté. Bonsoir, après plus. Moi, c'est Jobé Sassanon, première gagnante Femme Fatale Challenge, Anissa. Donc, est-ce que tu as dit, qui sont tes pensées de l'activité ça, soir? Comment tu déroulé? C'était une très belle activité et il était assez difficile pour nous déterminer qui est cité, qui t'a Miss America Haïti 2022 année. Parce que toutes mes dames étaient belles et étaient très intelligentes et étaient plein de potentiel. Donc, est-ce que tu as dit ce qui ça nous était basé nous pour nous être élu Miss America Haïti? Bon, vous connaissez que j'ai élu Miss America Haïti. Je pense que c'est un choix qui est assez difficile, okay? Parce que c'est Haïti que nous pouvons représenter. Donc, faut, non seulement, ce n'est pas seulement beauté, hein, mais il faut avoir intelligence, maintenant, charisme, li, caractère. Li, est-ce que c'est un monde qui vraiment fait. Est-ce qu'il y a un package pour lui représenter Haïti? Est-ce qu'il a fait bonne impression? Donc, il y a beaucoup de jeunes qui suivent nous et si vous conseillez aux jeunes, qui conseille d'abord? Si je vous donne un conseil, c'est que conseillez à ceux qui sont tous jeunes qui t'a regardé, c'est pas décourager, qu'il étudie nous, qu'on rêve nous, travaille pour ça tout, rester positif et petit pas, chaque jour, travaille pour nous réaliser les rêves. Merci de cette accepté interview et continuez comme ça, félicitations. Merci à vous. Donc, nous sommes avec nous, Yudna Mabjou. Bonsoir, est-ce que vous présentez? Bonsoir, bonsoir. Merci, Franz Pitsen. Donc, est-ce que tu as dit comment est-ce que tu as une activité à ce bien, justement, c'est une très belle activité. C'est une belle initiative. Côté que nous avons des jeunes en valeur avec tout potentiel, toute capacité, toute élégance pour participer dans si bel concours. Côté que nous-mêmes, en tant que jury, nous faisons un travail colossal. Le choix n'est pas facile du tout. Mais avec bon sens et puis avec l'esprit d'équipe qui est gagné entre nous-mêmes, dans jury, nous finissons par déterminer qui est-ce qui est le Miss pour l'année 2022. Donc, pour nous gagner un Miss pour 2022, c'est sur qui ça nous est basé? Généralement, le concours est basé sur beauté, élégance, sur la culture générale et sur le savoir-vivre. Ensuite,
sous la mode, tout ça. Donc, choix pour déterminer qui est qui est mis à partir de critères salaires. Donc, pour finir, quand il faut suivre nous, c'est pas que c'est média indigné, nous là pour prôner positivité. C'est bon conseil que tu as jeunes, ça vous semble bien. Ah, conseil pour jeunes, c'est surtout gagner un objectif dans la vie. Fixer tête nous en but. Parce que nous pas qu'à vivre sans que nous pas un objectif. Jeunes salauds, ils ont un rêve. Et ils ont profité de moments ça pour commencer à entamer dans l'autre départ dans la vie ou à partir de concours ça. Donc la jeunesse haïtienne conseille nous pour très méthodique, pour très appliqué et puis pour travail très dur pour réaliser les rêves. Parce que pour qu'on ait la vie dans un pays très difficile, soit vivre sans rêve en Haïti, c'est sûr que on est la suite. Merci de s'être accepté l'interview. Félicitations que tu aies comme ça. Ah oui, merci à vous. D'accord. Nous avons avec nous Jennifer Vanessa qui est Miss America Haïti 2022. Donc Jennifer, félicitations et vous très belle tout. Merci beaucoup. Au même tout. Oh, merci. Donc Jennifer, tu es avec qui sentiment recevoir pour un soir? Un sentiment de joie et de fierté parce que son travail qui était tellement dur, parce que toute postulature était vraiment au top, donc son travail qui est très dur, très fier de ça. D'accord. Donc Jennifer, est-ce que tu as expliqué qui genre aventure Miss America t'es vous-même? Oh, son aventure qui était tellement stressée et puis parce que je me dis comment on va faire Miss, parce que Marino t'a quitté un ami que je rencontre, elle est tellement gay. Et intelligence là, car elle est tellement gain maturité, elle a gain élégance. Mais même de toujours dire, est-ce que je vais arriver? Même de toujours dire, non, il faut que je sois capable. Si je suis inscrit pour me mettre dans la forme pour elle. Donc, avant tu l'as tellement dur, mais à ce moment-là, je suis capable de me livrer Miss America Haïti à tout ça. Donc, Miss America Haïti, ou arriver bien titre là dedans. Et c'est qui peut jouer gain dans le futur? J'aime toujours dire que je suis inscrit à Miss America Haïti pour prouver jeune que je suis capable. J'aime quand faire sur page Instagram moi, que malheureusement j'ai perdu. J'aime faire live motivation. Donc c'est aider jeune à avancer, faire formation pour eux, aller dans plus et conférences, aider au coin tête pour aider capable. Parce que nous vivons dans un pays qui n'a pas vraiment montré nous les changements ou bien bonheur. Donc, essayer que tout ça frappe nous donc, pour nous prouver que même si on a stress, ça est capable de vivre pour nous. Donc, en Haïti, le concours de Miss est un concours qui est stéréotypé en pile. Donc, qui ça même au bras et comme c'est fait comme action pour changer le passé mondial? Bon, premièrement, si je suis capable de venir Miss America Haïti, c'est un honneur. Et comment je suis capable de faire que pour nous dire que Miss en Haïti, pas vraiment, j'en repense là. Certes, il y a des gens qui tout, mais ce n'est pas tout. Mais si vous pouvez, si vous faites un bel travail, si vous pouvez l'entendre aussi, que vous travaillez ou approuvez. Donc, ouais, que vous êtes capable. Donc, j'en dis là, je fais des jeunes à travers deux pages, ça dans moi, que même si c'est un fan des réseaux sociaux, mais nous sommes capables d'utiliser les réseaux sociaux à bon escient. Donc, quoi l'entendre, quoi l'entendre, c'est ça, que vous êtes capable. Donc, Jennifer Vanessa, donc, plus jeune qui suivre nous en ce moment, si vous conseillez à Bayo, qui ça donne? Donc toujours aimé dire c'est foncer et écrire objectif ou quel objectif ou même s'il pas toujours facile pour arriver mais on va prouver quand même pas lâcher. Donc merci Jennifer et félicitations encore de s'être arrivé et le Miss America Haïti. Merci à vous. Vous êtes avec nous directrice concours qui c'est Miss America Haïti. Donc bonsoir, est-ce que tu as présenté à public à votre plus? Bonsoir, moi c'est Louis-Jean Richardine, organisatrice Miss America Haïti. Donc, est-ce que tu as dit, c'était avec qui objectif tu mettre pour ça sur pied? Ok, moi j'ai toujours voulu et gagner concours, sincèrement, parce que rêve moi c'était participer dans un concours de beauté, même après ça trop tard, après ça en 2019, 2020, 2021, je participé trois fois, parce que mon n'ai pas voulu participer. Alors, je me dis, si je remets et je compte pour qui ça me voulait participer, c'est comme ça que je n'ai pas que de jeunes qui remets, mais qui pourront participer. Donc c'est comme ça que j'ai commencé avec le concours. Mais avant, parce que les Miss America, les Marabout Haïti, malheureusement, j'ai concours qui était comme ça. Et puis, j'ai vérifié, j'ai presque
y a tout Miss America, pas Miss America Haïti. Je dis, oh, comment faire pas gagner Miss America Haïti pendant que Haïtienne, moi, belle, yo ka représenter, alors moi fais Miss America Haïti. Et année ça, c'est troisième édition, je suis capable de dire, moi, content, moi, fier, moi, mes résultats jurien. Donc, moi, vraiment content, et pense que nous avons préparé Miss là pour lui représenter Haïti avec fierté. Donc, le temps de mettre concours à ce point, c'est un objectif. Et je dis, c'était finale 3e édition. Est-ce qu'on pense arriver à tel objectif là? Oh non, non, beaucoup. Beaucoup arriver. Beaucoup atteindre l'objectif là. Parce que rêve, Miss America, est en pile. Mais nous ne pouvons pas compter avant. C'est tipa, n'a privé. Et je dis, je suis fier de Jean Final. En fait, je suis fier de jury, je suis fier de MCO, je suis fier de tout le monde qui fait partie de l'organisation. Année, je me sens béni ou quoi. Même si on a trouvé pour une 4e édition, plus belle, plus chaud. Donc, et durant toute troisième édition, durant tout ça jusqu'à troisième édition, on a vécu une petite difficulté. Et qui monde qui était capable d'avoir, qui était doux? Au début, nous avons un paquet de monde dans l'organisation. Nous avons un comité qui est long, mais pourtant, on est nous seulement avec toi, c'est moi-même, coordonnatrice, là, et puis coach de danse. Parce que je viens de réaliser que ce n'est pas un pire monde qui fait un projet, mais c'est monde qui veut ses volontés. Donc, Anéa, coordonnatrice, là, avec nous depuis la première édition, il y a 20 ans, Anéa. Coach de danse, là, avec nous depuis la première édition, il y a 20 ans, Anéa. Et nous continuons de travailler. Il y a paquet de difficultés. Il y a des gens qui disent que c'est pour moyen nous faire. Il y a des gens qui disent que nous ne pouvons pas offrir de jeunes. Mais pourtant, jeunes qui participent, qu'on est tout ça nous fait. Parce que nous faisons formation, nous faisons sortie, etc. Et année à bien sûr, Miss va représenter Haïti en République Dominicaine. D'accord. Donc, vous connaissez un peu de jeunes qui ont envie de participer dans le concours Miss. Donc, si vous avez envie de participer dans le concours Miss avec Haïti, qu'est-ce que vous faites? Bon, conseil, moi, c'est vle. Je toujours aimé dire jeunes, moi, ça vle. Il faut que vous ayez volonté pour faire peu importe ça. Il y a des volonté ou à privé. Quand je me dis que je suis 14, je suis seulement 4, c'est parce que vous avez une volonté, c'est parce que vous avez voulu. Et année à, jeune, ça a prouvé que réellement, il y a des jeunes qui voulaient. Okay? Et je me dis que, imaginez que les gens qui ont mis le téléphone, l'énergie de partage, une répétition, c'est comme si elle va gagner. Et je dis, elle est élue Miss America Haïti 2022. Donc ça, c'est une leçon. Et je pense que Miss l'a raconté ça, elle a bien pour. L'un a invité l'un à prendre plus. D'accord. Donc, merci de citer à cette interview. Et félicitations tout pour soi pour votre plus jeune Yonaïs. Merci beaucoup. Merci à prendre plus. Et c'est la fin. Donc, nous arrivons dans la fin du reportage aujourd'hui à côté que nous avons dans la finale pour Miss America Haïti 2022. De côté que nous avons pile monde fait déplacement pour venir supporter Miss. Et malheureusement, ce n'est pas tout qui est arrivé gagnant. Nous avons une Miss là, qui c'est Jennifer Vanessa. Et félicitations à elle, elle a été superbe. Donc, c'est un plaisir pour nous être là aujourd'hui pour nous venir couvrir l'événement ça, puisque nous nous sommes prôner positivité. Donc, même si vous pas oublier pour like vidéo, pour abonner à la chaîne et pour suivre sur toutes les réseaux sociaux. Nous, sinon apprend plus. Donc moi dis à plus. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out.